pense qu'on devrait revenir accompagné. Oh, oh non, petite peste, tu restes ici. Toi aussi, sale cabot. Parfait. Avec ce chien, j'ai mon premier cobaye. Je me demande bien ce que cette poudre aurait comme effet sur les bises. Létifère le saurait, lui. Eh bon. C'est que là où je suis, j'ai accès à des oiseaux, à un petit chien de malheur et comble de bonheur. J'ai réussi à hypnotiser une petite vermine de l'épicerie. Dis bonjour, vermine. Bonjour, vermine. Clara. Mais espèce d'abruti! Un enfant, ce n'est pas un animal! Relâchez-la si vous ne voulez pas avoir l'air de primate dégénéré devant notre grand maître, Morviac! Eh bien, moi, je crois tout le contraire. Je pense que cette poudre sera aussi efficace sur les cheveux de Bise et que je vais bientôt être reconnu comme l'un des plus grands crache-mâles que la Terre ait porté. Dis, je vais être chauve. Je vais être chauve. De vos opérations? Absolument pas. Mais bon, puisque vous insistez, je vais laisser le cellulaire ouvert pour vous permettre d'entendre toute l'horreur qui va se dérouler sous mes yeux. Je dois les retrouver avant que ce soit trop tard. Titania! Clara, est-ce que ça va? Titania? Tu nous déranges, Titania. Tu vois pas que cette Minus et son ego de chien s'amusent en ma compagnie? Ryu, libère-les à l'instant. Viens les chercher. Sors de là tout de suite!